PEGI 18. Ok. Récapitulons, d'accord? C'était censé être un nouveau départ. Un monde parfait. Délivré du mal qui avait corrompu jusqu'au dernier recoin de l'univers, aussi bien connu qu'inconnu. Ça aurait été un endroit sûr pour les enfants. Je parle de vous. Vous, enfants. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais les choses ont mal tourné peu après votre arrivée. Bon, je conçois que vous ayez été surpris de vous retrouver face à Maxis, surtout après si longtemps. Mais vous avez bien réagi en suivant le plan. Vous avez amené la clé d'invocation et détruit cette maudite machine une fois pour toutes. L'ennui, c'est que Maxis a tout foutu en l'air. Pitié, vous devez m'aider. Il entendait des voix qui l'appelaient. Ce n'est qu'ensemble que nous empêcherons la destruction de Tom. Ce n'est pas vraiment de sa faute. Vous êtes au courant qu'il n'a pas encore d'âme. Je n'avais que le cerveau. Enfin bref, le point clé, celui qu'il faut retenir, c'est qu'en voulant faire mumuse avec la bouboule d'invocation, Maxis a libéré une saloperie encore pire. Une chose dont j'ignorais même l'existence. L'homme de l'ombre. Le seul et l'unique. L'original. Le précurseur de la fin. Je vais être entièrement honnête avec vous. Nous sommes complètement dépassés par les événements. Il ne s'agit pas d'une vague force maléfique. On a affaire aux apothicones, les plus redoutables et cruelles des entités dans l'histoire de tout ce qui a jamais existé. Et ils sont là, dans notre monde parfait. Donc, laissez-moi vous le dire sans détour. C'est carrément le merdier.